Aujourd'hui, nous avons un véritable secteur aéronautique qui se défend, qui est bien positionné, avec des perspectives intéressantes. Nous avons un projet 2014-2020 pour l'industrie, avec des objectifs de création d'emplois de 500 000 emplois. Alors, quatre écosystèmes prioritaires ont été identifiés, étudiés, et nous sommes rentrés avec les professionnels dans le détail. Le premier étant l'assemblage, l'électronique embarquée et les conducteurs. Le troisième écosystème, c'est le MRO, bien connu, qui est la maintenance, la réparation des avions, le moteur et l'équipement, avec un potentiel extrêmement fort au Maroc. Les rencontres aujourd'hui étaient très importantes. Nous avons signé deux écosystèmes stratégiques. Le premier qui est l'écosystème aéronautique, avec la création de 23 000 emplois à horizon 2020, et le deuxième qui est le GPLC, donc les poids lourds et la carrosserie, pour lesquels nous avons signé aussi une convention pour la création de 21 000 emplois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail a été extrêmement important, déployé par les opérateurs économiques d'abord, qui ont consacré énormément de temps pour décortiquer le système ou l'écosystème qui les concerne, pour pouvoir en définir les synergies potentielles, la création d'emplois qu'elle va générer. Et cette création d'emplois est extrêmement détaillée par profil, par région et dans le temps. C'est-à-dire qu'on va savoir que pour tel secteur, que ce soit le GPLC ou l'aéronautique, nous allons avoir besoin à Tanger ou à Agadir de 211 ingénieurs qui vont s'étaler de la période 2015 à 2020 avec un nombre précis par année. Pour ce qui est de la Fédération de l'aéronautique, il faut savoir que ce secteur est en pleine croissance à travers le monde. Pour les 20 prochaines années, on compte doubler le nombre d'avions qui volent aujourd'hui dans cette période. Et les carnets de commandes sont pleins pour les 10 prochaines années pour les avionneurs. C'est dire que ce marché est extrêmement porteur. Le Maroc a réussi durant ces 12 dernières années à créer une très belle plateforme aéronautique qui est de très grande qualité, reconnue sur le plan international. Mais nous avons l'ambition pour ce secteur de passer à une nouvelle étape, à une toute nouvelle étape. C'est une industrialisation encore plus profonde, plus ancrée avec des écosystèmes. Nous avons signé il y a quelques mois et le projet sera lancé dans les prochaines semaines avec une filiale d'Airbus qui est le premier avionneur dans le monde, un écosystème complet qui sera créé au Maroc. Donc c'est vous dire que l'engouement est là, la demande est très forte, mais il faut former nos jeunes pour pouvoir répondre à cette demande. Je vous rappelle que nous avons un objectif de 500 000 emplois à créer horizon 2020, et ça nous avons démarré comme chacun sait, et nous en parlerons de façon plus détaillée lors des assises de l'industrie à la rentrée, Inch'Allah. Pour ce qui est du GPLC, eh bien là aussi c'est un secteur important, mais qui ne pouvait se renforcer et être beaucoup plus fort que si la commande publique lui donnait une chance. Donc ce qui a été signé avec le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur, c'est d'accompagner ce secteur avec une partie, voire une grande partie de la commande publique, pendant cette période très limitée, c'est-à-dire de 2015 à 2020, les autocars et les camions que nous allons acheter par le public au Maroc, par les grands donneurs d'ordre, eh bien, seront en priorité adressés à la production marocaine. C'est ce qui va permettre à ce secteur de décoller et de créer 21 000 emplois dans cette période et de produire 35 000 camions poids lourds. Et donc c'est quand même la naissance d'un secteur qui a essayé de se développer durant ces dernières décennies, mais avec beaucoup de peine. Mais aujourd'hui, tout le monde s'aligne et décide d'accompagner ce secteur. Voilà. Si vous permettez, je vous demande le ministre des Finances, comme il doit, dans ce cadre-là, vous accompagner financièrement. Vous avez là, l'argent, vous savez qu'il vient d'ailleurs, et ailleurs, il n'y a pas parmi nous aujourd'hui. Donc je voudrais que je vous dise quelques mots avant de passer la parole à Simon Wallet.
malgré toutes les menaces aujourd'hui qui pèsent sur le monde, je pense que nous avons suffisamment de moyens, nous avons l'envie, l'ambition et la volonté de pouvoir tirer et profiter de toutes les opportunités qui se présentent. الان يعني تتنزلوا في الارض الواقع لانه بدون صناعه لا يمكن ان نبني اقتصادا قوي بدون صناعه لا يمكن ان يكون اقتصادنا صلبا ومتنوعا كما هو الشأن الحال فيعني الاولويه ثم الاولويه الان في بلادنا في اطار النموذج التنموي ونموذج طبعا النمو في بلادنا هو التركيز على الصناعه الان هناك طبعا وضوح للرؤيه استراتيجيات وصلت يعني بعد إمرجنس واحد وإمرجنس جوز وصل لهذا المشروع لتسريع الصناعة وللآن يمكن لي نقول لكم أنه بدأت يعطي النتائج دياله المقاربة ديال الإيكو سيستيم يعني كل قطاع على قطاع ويكون فيه تفاوض والتزامات بين الدولة وبين الفاعلين القطاع يعني الخاص عبر يعني أهداف محددة ووسائل محددة أيضا اللي يمكننا نحصلها الآن يمكن لي نقول لكم أننا مرتاحين بعد كل ما توقع في إطار قطاع النسيج وقطاع السيارات وقطاع الآن ديال الطيران يمكن نقول لكم أننا مرتاحين ومتفائلين أن إن شاء الله بالنسبة لهذا القطاع اللي هو قطاع واعد اللي هو قطاع ديال الطيران قطاع ديال المستقبل اللي هو قطاع اللي فيه تكنولوجيا وفيه طبعا الاهتمام بالعنصر البشري لأنه خصو يكون مكون تكوينا كافيا الحمد لله بلادنا دخلت فيه بقوة واستطعنا لحد الآن أن يكون هناك أكثر من 100 فاعل في قطاع الطيران في بلادنا الهدف أننا نضعفه إلى مرتين هذا القطاع يخلق الآن أكثر من 11,000 منصب شغل الهدف أنه في 2020 يخلق 23,000 منصب شغل إضافي طبعا بالإضافة إلى قوته التصديرية الآن يصدر 8 مليار أو 9 مليار ديال الدرهم الهدف أنه في 2020 يصدر أكثر من 16 مليار درهم إذن هذا القطاع الواعد عنده مؤهلات في وعنده إمكانيات لخلق مناصب الشغل للمساهمة في التقليل من العجز التجاري والمساهمة في إدخال بلدنا بقوة في إطار الاقتصادات الصاعدة. Nous sommes heureux de signer aujourd'hui au nom du groupement des industriels de l'aéronautique le pacte d'accélération industrielle pour la partie aéronautique qui permet de fixer notre ambition collective et qui nous permet de construire une nouvelle phase dans le développement de l'aéronautique. Nous avons aujourd'hui une chance remarquable, c'est que ce secteur se porte très bien. Nous avons devant nous 20 années de croissance. Les carnets de commandes sont pleins pour les 10 années à venir. Et le MAC a montré qu'il était capable de s'impliquer, de s'intégrer dans cette construction aéronautique. On est aujourd'hui dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Nous avons mis en place un programme commun, un plan commun entre l'État et les industriels pour élaborer une nouvelle phase dans le développement de ce secteur qui permette au MAC de devenir une véritable base internationale de très haut niveau et reconnue. Et ce secteur permet au MAC d'être intégré dans les industries et de la connaissance. Il permet aux jeunes et aux pays d'être impliqués dans la globalisation et il permet de créer de la valeur ajoutée, non seulement des emplois à haute valeur ajoutée, mais il permet aussi de développer la recherche, il permet aussi de créer de nouvelles opportunités et de participer à pérenniser les autres secteurs industriels. Les quatre écosystèmes qui ont été définis conjointement entre le ministère de l'Industrie et les industriels. Le premier, c'est le système d'assemblage qui concerne l'assemblage, les matériaux composites. Le second, c'est ce qu'on appelle l'EWIS, les systèmes électriques, électroniques embarqués, câblage aéronautique. Le troisième système, c'est le MRO, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance, réparation d'avions, et là il y a un potentiel considérable. Il y a 35 000 avions qui vont voler d'ici 2030, donc il y a des besoins de réparation, de modification. Et puis le dernier système, c'est l'ingénierie. L'ingénierie où le MAC a une place à prendre
parce que tout ce qui est développement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est industrialisation fait appel à de l'ingénierie qui emploie des ingénieurs de très haut niveau. Et c'est des secteurs où nous sommes non seulement en mesure de créer des opportunités d'emploi pour nous, mais aussi d'exporter de la matière grise à l'étranger.